Parti. Bonjour madame, n'ayez pas peur, je suis stabilisée, j'ai un emploi fixe, je vais souvent au centre médico-psychologique. Oh madame, madame, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, bonjour madame, je sens que nous avons des phéromones en commun, ça vous plairait d'être mon ami, vous ne seriez pas médecin, je cherche une femme médecin pour me faire mes soins. C'est plus pratique et puis qui pourrait m'entretenir aussi parce que j'aime bien être entretenu et que j'aime bien l'argent de poche et j'ai certaines qualités. Je suis à peu près mentaliste. Alors, si vous voulez, je peux vous faire des tours de magie. Bah alors, la Marine, tu vas encore parler de toi? Bah, c'est comme la Marguerite, hein. Sauf qu'elle, elle produit du lait. Faire marque. On peut dire que toi aussi tu produis de lait. C'est pas beau de dire que ces pauvres gars, on leur a donné 1000 euros pour qu'ils viennent s'installer. Vu que les gens ils savent maintenant que ça coûte très cher de s'installer, et puis de faire croire qu'on leur donne des 1000 et des 100, les gens ils devraient savoir quand même, moi je le sais, que on leur donne que 11 euros par jour à ces pauvres gars. Et puis de dire que je sais pas quoi là, pourquoi ils viennent ici, y a que des hommes, si vous aviez été à leur place, que vous seriez battus, mais c'est une dictature la Syrie, madame. Vous savez pas qu'il y a des milliers de gens qui meurent dans les prisons, c'est une infamie. Ah non, c'est pas beau, c'est pas beau, Marine, hein, Bodiou, Bodiou, Bodiou. Et puis, faut dire quand même que le Jean-Marie, il en a assez parlé de Pétain. Nous on s'en souvient de Pétain. Bah oui, on s'en souvient. Et des gens qui parlent de lui en bien, ils savent que ce que ça veut dire. Des gens qui vous disent, ou qui disent aux autres d'aller résister. Non, c'est du n'importe quoi, Marine. C'est du n'importe quoi. Je vois que chez vous, ça parle comme la télévision, mais c'est moins intéressant que cheval, hein. La télévision, ça parle beaucoup, mais ça marche pas et ça coule pas aussi vite que le cheval, hein. Ça oui, hein. Ah, Bodiou, Bodiou, Bodiou. Bonjour Momo, il y a du boulot ou il y a pas de boulot? Parce que ouais, enfin tu me connais un peu. Moi avant j'étais avec les gars de marine et tout, enfin il y a plus d'action là, tu vois, ça se ramollit, pour un gars comme moi c'est plus possible quoi. Mais alors, j'ai entendu dire que il y aura un peu d'action, un peu, je sais pas, enfin tu vois ce que je veux dire, un peu coupé, un peu scié, un peu tranché. Alors je me suis dit que je sais pas quoi. C'est tout. Ouais. Tu sais, Momo, je dois dire quand même que vous avez des idées sympas.
Moi, personnellement, je suis vraiment intéressé. Alors, bon, comme je te l'ai dit, on était avec les gars de marine, mais là, non, là, c'est pas possible. Là, tu vois, ils veulent tous devenir respectables. Et puis, on peut même plus. Enfin, bon, on peut même plus frapper un peu. Enfin, bon, comme boule habituelle, quoi. Alors, bon, là, j'ai entendu dire qu'il y avait des promotions. On pouvait gagner des. Quoi, des. Je sais plus. Des vierges ou je sais plus trop quoi. Et puis surtout, bon, moi, tu vois, hein, ce qui m'intéresse un peu, c'est bon, le bricolage, quoi. Alors, bon, si y avait de quoi scier ou amputer, ou bon, tu vois, quoi. Ça m'intéresserait assez. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Bon, dans l'idée, il y a de l'idée. Enfin, bon, le mec après, il a plus d'idées, mais bon. Bon, c'est quelque chose qui peut me convenir, je te le dis franchement. Bon, tu me dis où je dois signer. Ah, on ne signe pas, d'accord. Bon, tu me dis comment je dois faire. Je sais pas trop. Pardon. Faut aller quoi prier. Je te prie de me dire si il n'y a pas un petit boulot, quoi, du boulot, cherche du boulot. Non, non, non. Il faut comprendre que les mesures que nous avons prises sont exceptionnellement révolutionnaires. Oui, que les gens puissent voyager à moindre prix dans des autocars, eh bien, je vous le dis, c'est formidable. Et en plus, ça ne coûte rien. Et alors, bon, moi, je ne suis pas pour la langue de bois. Il faut le dire carrément. Les pauvres, il n'y a pas d'autre mot, hein, les pauvres, ben les pauvres pourront voyager. Voilà. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est comme ces préjugés sur les banquiers, où il faut quand même savoir que les banquiers, je sais de quoi je parle, les banquiers font un travail extrêmement sérieux, et nous avons régi maintenant par de nouvelles lois cette catégorie sociale, et bon... Pardon, chère Léda ? Ah, je dois... Ouais. On coupe, on vaut mieux qu'on reprenne, je ne vais pas parler de ça. Vous gardez mon intervention première et pour le banquier, ouais, c'est on va pas... Edwige, vous pourriez m'apporter un peu d'eau, s'il vous plaît. Pardon, Marianne. Excusez-moi, ça. J'arrive. Oh, Momo, yo! Oh, mais monsieur Abder, allez-y, entrez! Oh, je suis super motivé, j'en ai deux! J'en parle tout le temps, à tout le monde. Quand je me rase pas, devant la glace, j'en parle. J'en parle tout le temps, je fais même la prière. Et tu vois, Momo, j'ai pensé à un truc, on va en parler à Monsieur Abder. Voilà, je me suis dit que pour se motiver, quand on fait la prière, au moment où on se met à genoux, on pourrait faire quelques pompes au bon moment, histoire de bien motiver les muscles. Et... Ah, c'est... Ah, d'accord, on peut pas. Bon, mais vous savez, Monsieur Abder, j'en parle à tout le monde. Hein. Vraiment, vous pouvez compter sur moi... C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai même trouvé une petite recrue. Et là, Momo, je pense qu'il y a quelque chose. Ah ben, elle appelle justement. Il est où mon téléphone? Ah, il est là. Allô? Ouais. Tu vas bien?
penser à ce que je t'ai dit. À propos de la salade. Tu continues toujours à manger de la salade? Tu sais, c'est écrit dans le livre. Il faut respecter la salade. Moi, j'en mange plus depuis un certain temps. Non, non, c'est rien, c'est rien. T'sais, on est occupé ici. Faut faire attention à tout. Donc toi, mange toujours. Attends, un instant, tu sais ce que c'est. Il faut faire très attention. Là, j'ai un code Rambo 751. Et il faut que je m'occupe de...